là. Elle est là. Vite. Une réunion très importante, donc le maintenant. Hein? Oui. Faut que je vienne voir Catou dans la ruelle. Faut que je fasse ce message à tout le monde. C'est possible de faire la fête demain soir au club. Yeah! Oui, c'est pour ça qu'il faut faire la réunion, hein, pour que tout le monde se mette d'accord. Maintenant? Oui. Mais moi, j'ai déjà trouvé quoi faire. Oui? Ça va être super. Quoi? Qu'on pourrait faire, là? Attends. Qu'on pourrait faire, là? Hey! N'ayez crainte, les enfants. Mon fusil n'est pas chargé. Mais qu'est-ce que tu fais avec un fusil, toi? Qu'est-ce que je fais avec un fusil? Eh bien, je m'en vais à la chasse, les enfants, à la chasse. Imaginez-vous donc que j'ai reçu une invitation du grand roi Marcel XIV. Hein? Tu connais un roi, toi? Mais absolument. Oui, c'est un ancien confrère de classe. Je l'ai connu à l'époque de mes hautes études scientifiques à l'Université de Paris. Oui, oh, c'est un roi très sympathique, d'ailleurs. Là, tu t'en vas où? Pour son château? Oui, et... Il a une mission à me confier. Oui? À son château, il se passe des choses. Enfin, j'ai tout ce qu'il faut là pour faire mon enquête. Chut. Quel genre d'enquête? Oh non, je vous en ai déjà trop dit. Mm-hmm. C'est un secret, les enfants. Un secret. Chut. Bon, je dois partir. Et plus vite que ça. Au revoir, les enfants. Bonne chance, on entre, hein? Quoi ton deal, là, pour la fête au club, là? Oui, oh, vous aimerez bien, vite. Il faut aller chercher Lola, vite. Lola, mais Robin, attends-moi. Je veux manger des nouilles. Maman veut pas qu'on y aille, compris? Qu'est-ce qui revient, Barakuda? Je ne sais pas. Barracuda, là, est-ce qu'il reste à coucher chez Tante Julie? Oui, je te l'ai dit tantôt. Il reste là toute la fin de semaine. Pourquoi il reste couché là-bas? Pourquoi il reste couché là-bas? Oh, arrête! Ils vont aller voir Aurélie avec mon oncle Jean-Pierre, hein? C'est pas ça quand tu chicanes fort. On peut rien faire, là. Lola, je veux qu'on joue ensemble. Je vais faire une belle culbute, d'accord? M'as tu vu, Lola? Oh, tu m'as même pas regardé. Oh. Je veux manger des nouilles, bon. Viens dans la cuisine avec moi. Maman veut pas qu'on rentre. Je te l'ai dit tantôt. Elle parle avec papa. Allô? Super réunion au club, viens-tu? Moi? Je peux pas. Il faut que je garde Puce. Non, non, hey, il faut absolument que tu viennes, Lola. Oui, oui, on va décider qu'est-ce qu'on va faire pour fêter le premier anniversaire du club. Robin a déjà une idée. Oui. C'est quoi? Je peux vraiment pas y aller. Tu ne demandes pas ta mère? Eh oui, j'ai promis à Catou que je t'amènerais. Je veux y aller au club, moi. Tu peux l'amener si tu veux. Oui, oui, c'est vrai. Je vais y penser. Mais je peux pas l'amener. Ma mère, elle veut pas. Oui, elle veut, maman. J'irai vous rejoindre tout à l'heure. Promis? Oui, oui. Oh, génial! Pourquoi t'as dit non? Maman a vu qu'on allait jouer dehors. C'est ça qu'elle a pu te faire. Pourquoi t'as dit non? Darius, entre! Mon cher Darius, c'est la première fois que tu visites le château, je crois. Moi, mais non, je suis déjà venu. Oui, c'est ça. C'est la première fois que je viens dans le château. En fait, c'est la première fois que je vous vois avec une couronne sur ma tête, mon cher. C'est le protocole. J'ai pensé me déguiser en chasseur pour ne pas éveiller les soupçons de vos valets, comme nous l'avions convenu. C'est une très, très bonne idée. Si le climat nous est favorable, cet après-midi, nous irons chasser. Mais avant... Je veux savoir ce qui se passe. Venez par ici, je ne veux pas en discuter devant mes domestiques. Très bien. Darius, oui. C'est épouvantable.
J'ai l'impression que des créatures bizarres hantent mon château depuis quelques jours. Eh bien, c'est bien ce que j'ai cru comprendre au téléphone. Mais êtes-vous bien sûr de ce que vous dites? Voyez-vous, toute cette histoire a commencé lorsque j'ai fait faire des travaux de rénovation au château. J'ai fait abattre quelques murs, et curieusement, c'est précisément depuis ce moment-là que je me suis mis à entendre des choses. Écoutez. Hémisphère d'hémisphère. Mais vous savez, il s'agit peut-être d'un vulgaire petit rat. Ça m'étonnerait beaucoup, mon cher Darius. Car ce matin, ce vulgaire petit rat, comme vous dites, m'a demandé l'heure. Ah bon? Eh bien, si c'est le cas, mon cher Marcel, nous le saurons. Car j'ai tout ce qu'il faut dans mon sac pour mesurer la présence des créatures imaginaires. Ah oui? Oui. Enfin, c'est une de mes inventions. C'est un créature imaginomètre. Un créature? Imaginomètre, oui. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait avec Lolotte, là? Moi, je suis tannée d'attendre. Mais c'est un rendez-vous super important, ça. Elle aurait pu se forcer. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu, mais il fallait que je m'occupe d'elle. T'étais pas obligée. Maman a dit d'aller jouer dehors. C'est même pas vrai. Oui, c'est vrai. C'est toi qui voulais pas venir. Tu voulais pas partir parce que je chicane. Bon, t'as dit que tu serais gentille, oublie pas. On va jouer avec Catou, d'accord? Bon. Puis, c'est quoi la fête? Et tu passes bien des choses, hein, Robin? Ah oui. Sais-tu c'est quoi? Non. C'est mon idée. Ah oui, on va faire un bal costumé! Yeah! C'est pas fini, hein? Sais-tu qui va être invité? Non. Nos parents! Nos parents? Oui! Au club? Oui! Regarde, on a tous quelque chose à faire. Ouais, Catou nous a fait piger des papiers, là. Et moi, c'est souffler les ballons. D'ailleurs, je me demande comment ça se fait que c'est toujours moi qui tourne. Oui, c'est vrai. Moi, c'est fabriquer des décorations. Et puis toi, allez, travaille, reste-toi. Reste-toi. Allez, vas-y. On dirait que ça te tente pas de savoir. Si? Préparer un petit discours de bienvenue. Wow! J'aime pas ça, faire ça. Ben, on va t'aider. Mais oui. J'ai une idée géniale. Oui. Je vous invite tous à coucher chez nous. Oh, merci, c'est super. Ben oui, on va tout préparer ensemble. Les ballons de Robin, ton discours, mes décorations. Ouais. Hein? Quoi, qu'est-ce que t'en penses? Hein? Je pense que je pourrais pas y aller. Non, oui, oui, ben oui, c'est oui. Hey, vite, faut se dépêcher, faut avertir nos parents. C'est vrai, c'est demain soir. Où on va? À la maison. Hey, oublie pas, hein? Viens coucher chez nous. Salut. Tu vas coucher chez Stella? Je ne demande pas, maman. Je veux y aller, moi, à la grande fête au club. Ah, là, là, je te parle. Chut, tais-toi. Faut que je te quitte. Oui, oui. Salut, mon beau petit papa chéri. Mm-hmm. Hey, tu sais pas quoi? Ouais. Génial. Mon père veut. Ah, oui. Puis toi, tes parents, qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui, ils ont dit oui. Mais là, faut que je retourne chez nous. Hein. Hey, mais non, mais attends, Robin, attends. Ouais. Pourquoi tu viens pas coucher chez nous? Non, je peux pas. Hey, mais pourquoi? Parce que je vais souper chez ma tante Annette. Ma mère avait absolument que j'aille. Mais oui, mais Robin, attends, là. Hey, on devait travailler ensemble. Tu devais m'aider à faire les décorations. Oui, oui, on va travailler ensemble, mais demain matin, très tôt, d'accord? Salut. Non, mais Robin! Robin! Oh, Robin! Stella? Hein? À qui tu parles? Lolotte. Oui? Je parlais à Robin. Oh. Dans ma tête. Oh. Oui, c'est ça. Je jouais dans ma tête. Oh, je peux pas rester longtemps. Hein? Toi non plus? Non, je suis juste venue te dire que...
J'irai pas au bal costumé du club. Hein? Parce que mes parents peuvent pas venir. Pourquoi? Ils vont chez des amis ce soir. Hein, mais c'est pas ce soir le bal, c'est demain soir. Oui, c'est ça. Ce soir et demain soir. Mais si tes parents s'en vont, ça veut dire que tu vas pouvoir rester coucher chez nous? Hein? Oui, et d'ailleurs, Lola, tu me l'avais promis. Oh non, j'aime mieux rester avec ma mère. Mais tu viens de dire que tes parents sortaient. Ta mère sont même pas là. Ah oui, c'est vrai. Mais je vais lui demander quand même, hein? Ouais. Peut-être qu'elle voudra pas. Oui, essaie. Hey, on va avoir tellement de plaisir, là. Puis je suis sûre que ta mère va dire oui. Ouais. Oui. Des fées, vous dites? Des fées comme dans les contes de fées? Mais absolument. D'ailleurs, j'oserais même émettre l'hypothèse qu'en abattant le grand escalier du donjon, j'ai peut-être libéré les fées qui y étaient emprisonnées depuis plus d'un siècle. C'est une hypothèse très intéressante. Mais pourquoi les fées étaient-elles emprisonnées? Mon arrière-grand-père, qui était un roi courageux comme un lion, ne voulait pas régler tous ses problèmes par magie. Il voulait vivre comme tout le monde, tous les malheurs et tous les bonheurs. Ah oui, je vois. Donc les fées sont demeurées prisonnières pendant toutes ces années. La légende veut même que l'une d'entre elles se serait vengée en jetant un sort sur toute la descendance royale. Et quel était ce sort? Mes oreilles, mon cher ami. Mes oreilles. Suivez-moi. Oui. Mon arrière-grand-père avait de toutes petites oreilles, des oreilles normales, quoi. Mais les fées du château lui ont prédit que son premier fils aurait de grandes oreilles. Nous sommes ainsi depuis des générations. Mais si vous avez démoli les murs du donjon, ces fées sont donc en liberté. Mais diable, Darius, vous avez raison. Oui, mais qu'à cela ne tienne, hein? Grâce à mon créature imaginomètre, nous allons voir s'il y a des fées dans ce château. Et nous allons voir dans tous les coins de votre immense domaine s'il le faut. Allez, venez, mon brave. Cher Darius. Tu fais de la grande toute la journée. Tu vas y coucher chez Stella, si tu veux. Non, non, je vais rester. Non, je vais m'occuper de peu ce soir. Puis après, ben... Vas-y, je serai pas très gaie pour te tenir compagnie. Je veux pas te laisser toute seule. On pourrait regarder la télévision. Non, non, non. Va coucher chez Stella, tante Claire s'en vient. Est-ce que c'est parce que papa est parti fâché que tu pleures? Quand est-ce qu'il va revenir? On s'est chicané. Oui, mais quand est-ce qu'il va revenir? Écoute. On est séparés. Ton père ne sera plus avec nous dans la maison. Il ne veut plus revenir. Maman. Oh, j'ai mal à la tête. Donner à manger à Puce. Oui. Je vais le faire tout de suite. Oh. Et alors? Est-ce que votre merveilleux appareil nous indique quelque chose? Attendez! Chut. Je ne voudrais pas être entendu des fées, mais s'il en reste, elles sont sûrement inoffensives. Ah oui? Et pourquoi donc? À cause de la démolition. Il y a eu un tel brouhaha que je ne crois pas qu'une seule baguette magique ait pu résister au choc. Les baguettes magiques sont des instruments excessivement sensibles. Ah bon, je vois. Et les fées qui n'ont plus de baguettes magiques n'ont plus aucun pouvoir. Exact, mon cher Watson. Oh! 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 Écoutez! Oh! Incroyable! Connaissez-vous un moyen d'aller derrière ce mur? Suivez-moi. Oh. Il était temps que je sorte de là. Oh!
s'est changé ici. Le nouveau roi a changé tous ses meubles. Ah, sauf la belle grosse armoire de la reine. Oh, mes pauvres jambes. Oh, 150 ans dans le donjon. Ah, je suis pas morte, mais... Je suis pas forte. Et maintenant que je suis sortie, il me reste une chose très importante à faire. Trouver ma baguette. Par là. Même si tes parents viennent pas à la fête, là, tu peux venir quand même, toi, hein? Non? Mais si tu venais au bal, là, tu pourrais m'aider. Ce serait moins plate. Qu'est-ce que t'as, Lolotte? Es-tu triste? Oui. Pourquoi t'es triste? Je veux pas te le dire. Pourquoi? Si je te le dis, là, est-ce que tu me promets de jamais le dire à personne? Oh oui, je te promets. Promis, promis. Je te jure. Mes parents se sont chicanés ce matin. Beaucoup plus fort que d'habitude. Ils se sont dit des bêtises. Ma mère criait, puis mon père aussi. Mon père a fait claquer des portes. Il a dit qu'on était toujours tannant. Qu'il voulait se reposer la fin de semaine. Alors Barracuda est allé chez ma tante, mais... Mon père a continué d'être fâché pareil. Il a fait sa valise, puis il est parti. Est-ce qu'il est parti pour toujours? Oui. Il est allé vivre dans une autre maison. Il se sépare. Il se sépare? Oui, ma mère me l'a dit. Es-tu sûre? Oui. Il a dit qu'il voulait avoir la paix le samedi matin. Ah oui? Si on n'avait pas été tannant, peut-être qu'il serait pas parti, hein? Tu penses? Mais où est-ce que tu vas rester maintenant? Oui. Puis ta mère, est-ce qu'elle va avoir assez d'argent? Je sais pas. Elle m'a rien dit. Oh. Fantastique! J'ai retrouvé ma baguette magique exactement où ma tante Farrah Fawcett me l'avait prédit. On n'a pas encore ces deux-là. Allez. Si je dis, il y a sûrement une fée dans les parages. Mon créature imaginomètre m'indique que c'est par là. Je suis foutue. Reposons-nous un peu. Je n'ai pas l'habitude de travailler aussi fort dans une seule journée. Mais voyons. On commence à peine nos recherches et je sens que je suis sur le point de faire une découverte. Demain, nous avons toute la vie devant nous. Allez, donnez-moi votre safari. Je vous invite à la chasse à cour demain matin à l'aube. La chasse à cour, mon rêve. Pauvre petit roi, je devrais lui enlever ses vilaines oreilles. Après tout, il est si gentil, si sympathique. Qu'est-ce que c'était déjà la formule dont... Ah oui, Ah, merci, mon cher. Mais Marcel, quelque chose est arrivé à vos oreilles. Mes oreilles? Qu'est-ce qu'elles ont, mes oreilles? Mais oui, elles sont redevenues petites. Regardez-les. Oh, mais c'est affreux. Mes belles grandes oreilles, je les aimais tellement. Je vais me voir dans un miroir. Je vais me voir tout de suite. J'ai une petite faim, moi. Oui, j'ai faim. Qu'est-ce que c'est que ce petit appareil? Est-ce que je suis rendue dans moi? Alors là, je reconnais pas du tout l'endroit. Hein? Alors là, pas du tout. Ooh.
comment tu t'appelles? Moi? Lolotte. Lolotte. Mmh. C'est spécial comme prénom, hein? Lolotte. Oh, monsieur doux à l'oreille. Moi, je suis la fée Raphaël. Une vraie fée? Mmh. Comme dans les contes de fées? Eh oui! Ah, mais attention, je suis une bonne fée. Mais regarde-moi comme il fout dans les yeux, toi. Qu'est-ce que c'est que cette petite face-là? Mais où est-ce que t'as mis ton sourire, ma princesse? Oh, mais pourquoi pleures-tu? Parce que je suis triste. Oh, très, très triste. Oui. Mais ma foi, c'est dramatique, hein? Je vois des larmes, là, sur ta joue. Oh, s'il te plaît, ne pleure pas. Est-ce que je peux t'aider? Allez, demande-moi ce qui te ferait le plus plaisir au monde. Pour vrai? Oui, oui! Je veux que mes parents vivent toujours dans la même maison, toute la famille ensemble. Ah oui? Ah, c'est curieux comme idée, ça. Oui, c'est parce qu'au pays des fées, les parents vivent toujours dans la même maison et toujours heureux par-dessus le marché. Oui, mais moi, mes parents se séparent, puis je veux pas... Ah oui, bon, enfin, ce sera pas difficile à régler. Ça va être très facile à ranger, ça. Comment vous allez faire? Vous allez réunir mes deux parents? Eh bien sûr, ma chérie. Je suis une fée, hein, ne l'oublie pas. J'ai ma baguette magique. Je suis là pour régler tous les malheurs de toutes les petites princesses sans peine. Vous allez faire revenir mon père chez nous? Oui. Vous êtes certaine? Je te le promets. Je vais donner le don de l'amour éternel à tes parents. À 7 heures demain matin, je dis bien, à 7 heures précises, ton vœu sera exaucé. Oui, mais comment vous allez faire? Oh, c'est facile. À 7 heures, si tu découvres un bouquet de carottes sous ton oreiller, c'est que ton vœu sera exaucé. Et la prochaine fois que tu auras des ennuis, tu casses le bout d'une carotte en chantant « Fée, fée, jolie fée, ta chaleur me réjouit, fée, fée, jolie fée, viens, viens, je m'ennuie. » Je suis tellement contente. Vous me sauvez la vie. Oh, va, va. Et dors sur tes deux oreilles. Oui, merci. Fantastique, fantastique. Je vais pouvoir enfin exercer mon métier à nouveau et de redonner le sourire à cette charmante petite princesse. Oh, j'espère que ma baguette n'est pas... Je vais faire pour réaliser le vœu de cette petite si ma baguette est brisée. Oh, malheur, en effet. Que fera la fée sans sa fameuse baguette magique? Lolotte est tellement bouleversée par la séparation de ses parents qu'elle est prête à tout pour que sa famille reste ensemble, même à faire confiance aux promesses de la fée. C'est normal que Lolotte soit triste et inquiète de la séparation de ses parents, mais a-t-elle raison de croire qu'elle a la responsabilité de les réconcilier? Et comment arrivera-t-elle à leur dire ses difficultés? C'est ce que nous verrons dans la suite de la palpitante aventure de Robin et Stella. Une fête se prépare au club. Les parents sont invités, mais Lolotte est triste. En effet, ses parents se séparent. Pendant ce temps, Darius est en visite chez son ami le roi. Une fée bizarre s'échappe des murs du château et se retrouve au Laborium. Lolotte n'arrive pas à dormir. Elle se confie à la fée qui lui promet de réconcilier magiquement ses parents. Lolotte est pleine d'espoir. Malheur, la fée casse sa baguette magique. Réussira-t-elle quand même à réconcilier les parents de Lolotte? Voyons vite la suite de la palpitante aventure de Robin et Stella. Baguette magique, moi je suis rien du tout, hein. J'ai une idée. Voyons voir.
Maintenant, ma formule d'urgence. Qu'est-ce que c'était déjà donc? Ah oui. Pomme d'api. Pomme d'api. Pomme de riz. C'est curieux, ça. La mère de la petite Lolotte n'est pas toute seule. Se seraient-ils déjà réconciliés? Ils n'ont pas l'air à mauvais terme du tout, les parents de la petite Lolotte. Qu'est-ce que je fais? Je prends pas de chance. Je vais leur donner le don de l'amour éternel. Ça fera plaisir à ma petite Lolotte. Je viens de la part de votre fille, Lolotte, parent colérique. À votre réveil, chère reine, vous fermerez à nouveau les yeux et vous donnerez un baiser sur les lèvres à votre mari, le roi. Quand vous ouvrirez les yeux, il vous aimera d'un amour éternel. J'ai que pas me faites le même son que d'habitude. Oh, j'espère que mon vœu sera exaucé tout de même. Maintenant, je retourne au château. Décidément, cette baguette magique-là n'est plus ce qu'elle était. Mais voyons. À 7 heures, si tu découvres un bouquet de carottes sous ton oreiller, c'est que ton vœu sera exaucé. Parfait. Il est 7 heures. Yeah! Lotte, qu'est-ce que tu fais? Oh, rien. Il faut que je m'en aille. Hein? Oui, il faut absolument que je m'en aille. Je reviens tout de suite. Mais tu t'en vas où? Chez nous. Je pense qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. J'ai fait un rêve tellement étrange. Oh, c'était assez bizarre. Il y avait une fée à côté de mon lit. Puis, oh, j'étais une vraie reine, Léon. C'est bizarre. Moi aussi, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que j'étais un roi. Léon, mon beau roi d'amour, donne-moi un beau bec, hein? Mais vas-y, Léon, pas sur le front, sur la bouche. M'aimes-tu, mon beau Léon? M'aimes-tu pour l'éternité? Léon! Léon? Léon? Mais par où es-tu passé? Léon? Léon? Violette, je suis ici, Violette. Oh, pardon, mais Léon! Oh! C'est pas vrai. Oh, je rêve, moi. Oh, mais, ça se peut pas, tu t'es pas vu, mon Léon. T'as l'air d'un vrai canard. Je pense que j'en suis un, Violette. Oh, mais ça n'a pas de sens, mon Léon. Tu fais des blagues, là. Mais t'es pas drôle. J'ai pas envie de rire, Violette. Je sais même pas ce qui m'arrive. Oh, oh, Robin! Oh. Un instant, mon Pete! Maman! Oui. Hey, maman, ce soir, là, c'est le grand soir, hein? Ce soir? Mais quel soir? Le soir de quoi, là? Mais c'est le soir du grand bal masqué du club. Vite, faut que je parle à papa. Ton père? Ben oui, il m'a promis de venir souffler les ballons avec moi. Ton père, il peut pas, hein? Pas ce matin. Pourquoi? Hey, je lui en ai parlé hier soir, il m'a dit oui. Bien, parce qu'il est parti, hein? Au magasin, oui. Allez, oui, retourne dans ta chambre, là. Oh. Mais qu'est-ce qu'on
pauvre Denis, reveillez-moi. Il me semblait bien aussi que ça pouvait pas marcher. Mon père est même pas là. La fille a rien changé. Ma mère est encore très fâchée contre lui. À moins que je la rappelle. Non. Je gage que c'était une blague. C'est même pas une vraie fille. Fée, fée, jolie fée, ta chaleur me réjouit. Fée, fée, jolie fée, viens, viens, je m'ennuie. Il semblait bien aussi que ça marcherait pas. Fée, fée, jolie fée, ta chaleur me réjouit. Fée, fée, jolie fée, viens, viens, je m'ennuie. Ma pauvre baguette, j'ai bien peur qu'elle ne fonctionne plus comme elle fonctionnait. Ou alors c'est moi qui ne sais plus pratiquer mon métier. Oh! Comme je le pratiquais. Oh. Allez. Oh. Qu'est-ce que c'est que cette petite mine-là? Ça n'a pas marché du tout. Quoi? Tes parents sont encore séparés? Oui. Mais voyons, c'était impossible. Je leur ai donné le don de l'amour éternel. C'est même pas vrai. Ah, si je dis que je l'ai fait, mon petit crapaud, c'est que je l'ai fait, hein? Ne me dis pas que t'as plus confiance en moi, pitonnerie. Allez vérifier par vous-même. Je viens de parler avec ma mère. Elle est toute seule dans la cuisine. Mon père est pas dans la maison. Ils sont encore en chicane. Je comprends pas ça. C'est possible, voyons. Ils sont ensorcelés. Et normalement, ils devraient être très, très amoureux l'un de l'autre. C'est pas vrai. Ça se peut pas. Tu t'es trompée. Oh non, non, ma petite chouette. Ne pleure pas, s'il te plaît. Écoute, c'est possible que je me sois trompée de formule. Mais ça ne fait rien. Ce n'est rien du tout. Ça va s'arranger, tu vas voir. On va recommencer de tout le début. Et tu vas voir, cette fois-ci, je te le jure, ça va se terminer comme dans les vrais contes de fées du bon vieux temps. Je veux que mon père et ma mère vivent dans la même maison tout le temps, bon. Je sais, je sais. Tiens, ça me donne une idée, ça. Je vais les faire venir ici même, sur le champ. Ils vont prêter serment d'amour éternel devant toi. Ah oui? Oui, laisse-moi me concentrer un petit peu, là. Oui. Voyons, ma baguette, ma baguette. Voilà, tu tiens bon, hein? Prince et princesse de tous les temps, venez à mon aide immédiatement. La princesse Lolotte vit un bien triste tourment. Amenez-nous ses parents sur le champ, ici même, et sans contretemps. Voyons, ça fonctionne pas cette affaire-là. Là. Non, c'est que je me suis pas assez concentrée. Attends, attends. Prince et princesse de tous les temps, venez à mon aide immédiatement. La princesse Lolotte vit un bien triste tourment. Amenez-nous ses parents ici même sur le champ et sans contretemps. On est là. Mes parents sont pas là. Je sais, je sais. Mais je vais tout arranger ça, là. C'est une question de technicalité. J'ai fait une petite erreur. Voilà, c'est tout. C'est bien grand ici, donc. Oui. Un trône. On dirait qu'on est dans un château. Ah, mais c'est un château, en effet. Un très beau château, d'ailleurs. J'y habite depuis des siècles. Hein? Bonjour. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Bon, je vais m'en aller. Où ils sont, mes parents? J'aime pas ça. Mais pas peur, Lolotte. Non, écoute, je vais tout arranger. D'abord, je vais t'expliquer. Allons! Ah! Celle-là, qu'est-ce que tu fais là? T'étais censée être chez moi à la première heure ce matin, tu t'en souvenais pas? Il aurait pu me faire mourir d'une attaque de peur, toi. Bon. Mon ballon est tout dégonflé. Je voulais pas te faire peur, je voulais juste te montrer mon masque. Là. Pourquoi t'es pas venu? Oh, parce que. Moi, je cherche Lolotte. Elle est partie chez moi très tôt ce matin. Ouais. Elle m'a dit qu'elle revenait tout de suite, mais. Ouais. Elle va revenir. Puis, t'as pas
fini de souffler tes ballons? Non, ça va moins vite que je pensais. J'aimerais beaucoup ça t'aider, mais je peux pas, hein. Et j'ai encore des décorations à faire, j'ai pas fini. Lolotte, elle m'a pas aidée. Mon père aussi devait m'aider, mais il est parti. Elle m'a pas aidée du tout, Lolotte, hein. Allez. Elle parlait tout le temps. Mais moi, mon père, ça fait 2 heures qu'il est parti, puis il est pas revenu. T'es parti où? Au magasin. Au magasin? C'est un dimanche matin. Ah oui, c'est bizarre, hein? En tout cas, j'aimerais bien ça retrouver Lolotte. Appelle chez elle. Ouais. Oui. S'il n'y a pas chez elle, qu'est-ce que je vais dire à sa mère, hein? Elle est censée être chez moi. Puis, je pense que c'est vraiment pas le temps d'appeler chez elle avec tout ce qui lui arrive. Robin, j'ai un secret. Ah oui? Je suis pas censée te le dire, mais c'est parce que ça me fait comme une boule. Ah. Si je te le dis, là, est-ce que tu me promets de le dire à personne? Ouais, promis. Sais-tu qu'est-ce qu'elle m'a dit, Lolotte? Hum? Ses parents se séparent. Ah oui? Oui. Son père, sa mère, là, ils se sont chicanés beaucoup, beaucoup, hein? Puis là, son père, il a fait claquer les portes. Puis, il a pris sa valise. Puis, il est parti en disant, je m'en vais pour toujours. Pour toujours? Oui. Il est parti dans une autre maison, son père. Ça veut dire que Lolotte aussi va partir? Je sais pas. Mais c'est peut-être sauvé quelque part, Lolotte. Peut-être qu'elle est partie se cacher. Elle pleurait hier, hein? Oui. Oh, attends. Oh oui. Elle est peut-être partie au club. Oui. Hey, tu t'en... Les parents de Lolotte se séparent? Où il est mon père, donc? C'était leur raison. Il peut pas être allé au magasin à 7 heures un dimanche matin. Mais qu'est-ce que vous faites? On va quand même pas rester ici. Mais voyons donc, ma petite Lolotte. On a toute la vie devant nous. Je vais d'abord ranger ça au GP. Ma chère petite Lolotte, je pense qu'on va rester au château. D'abord, je me sens bien ici. Je me sens plus chez moi. On va rester ici. Mais pourquoi pas? Hein? On va inviter tes parents à venir ici. Si tes parents habitaient un château, tu penses pas qu'ils seraient plus heureux? C'est vrai que c'est beau ici. Oh. C'est grand. On aurait de la place pour jouer. Puce serait contente et pourrait faire ses acrobaties. Bon! Il pourrait y avoir un coin tranquille pour mon père. Fais-moi confiance. Je vais faire apparaître tes parents sur le champ. Et laisse-moi me concentrer un peu. Oh, non, non. J'aime mieux retourner chez nous. Je connais personne ici. Ah, c'est princesse de tous les temps. Venez à mon aide immédiatement. La princesse Lolotte vit un bien triste tourment. Amenez-nous ses parents ici même, sur le champ, et sans contre-temps. Voici ta maman. Mais c'est pas ma mère, elle. C'est Madame Brizard. Lolotte? Voici ton papa! Qu'est-ce que c'est que ce canard? Je suis Léon Brizard, gérant comptable. Et j'aimerais bien savoir ce qui se passe. Monsieur Brizard? Madame Brizard, mais qu'est-ce que vous faites ici? Est-ce que tu veux dire que ce ne sont pas tes parents? Poil de rat, je me suis trompée. Oh! Excusez-moi. Qui êtes-vous? Monsieur, madame, je suis très malheureuse des soucis que je vous ai causés, hein. Mais j'ai réparé ça sur le champ, hein. Je vous le garantis. Hop là! Oh non! C'est un petit problème, là. Ce sera pas long. Ce sera pas long. Mais je sais pas qui vous êtes, moi. Mais où est-ce qu'on est ici, là? Est-ce qu'on est au centre-ville? Oh, j'aime pas ça du tout. Hein, mon Léon? Oh, oh, puis moi, mes parents, où est-ce qu'ils sont? Mais, attends. Ah! Violette! Violette? Mais je suis revenue comme avant! Violette? Léon? Violette? Oh, Violette! Ma belle Violette, mais t'es devenue un canard!
Papa! Hey! T'es revenu? Du magasin. Ah! Oh, hey, vite, faut que tu viennes m'aider à gonfler les ballons. J'en ai beaucoup. Des ballons? Oui. Ben, j'ai pas le temps. Faut que je m'occupe de ta mère. Oui, elle est où, maman? Ta mère? Hey, je sais pas. Elle est peut-être allée faire un tour au magasin. Elle aussi? Où ça? Oh, ben, je... Mais quoi? J'ai des choses urgentes à régler, là. J'ai besoin de paix. Va jouer dehors. Mais papa! Va jouer dehors! Je veux voir ma mère, bon. Je veux m'en aller. Oui, oui, laisse-moi réfléchir deux minutes. Là. Je vais la faire apparaître ici même, ta mère, en oreillette. Je veux plus. Je veux rentrer chez nous, bon. Mais non, je te dis, cette fois-ci, ça va marcher. Je suis certaine. Tout à l'heure, j'avais oublié un mot magique dans ma formule. Oui, mais tout à l'heure, vous avez dit que ça marcherait, puis... J'arrive pas à croire à tout ce qui nous arrive. C'est quelqu'un qui nous joue un mauvais tour. Tu peux pas être devenu un canard pour toujours. J'espère que non. Qu'est-ce que je vais devenir? Comment veux-tu que j'apprenne la nouvelle à nos amis, à nos patrons, à Robin? Mais oh, je pense. On a promis à Robin d'aller avec lui au bal costumé, mais tu peux pas sortir dans ton état. Je le sais. Mais Violette, faut que t'expliques à Robin qu'on peut pas l'accompagner au bal costumé. Pourquoi moi? Oui, mais il faut que ce soit toi. Moi, je serais pas capable de lui apprendre ça. Ça va me faire trop de peine. Regarde-moi, Léon. Tu veux vraiment que je parle à Robin dans l'état où je suis? Oh, excuse-moi, j'y ai même pas pensé. J'arrive pas à me rentrer ça dans la tête. Oui, oui, tu peux entrer. Qu'est-ce que tu voulais, donc? Ben, je cherche mes bas. Tes bas? Oui, ben mes bas rayés, là, pour aller au bal avec toi et maman ce soir. Bien, Où elle est, maman? Ta mère? Elle est encore au magasin. En fait, non, ta mère n'est pas au magasin. Non? Elle est où? Elle est... en voyage pour deux jours. Pour deux jours? Mais le bal, elle l'a oublié? Et vous aviez promis de venir tous les deux, hein? Justement, fiston, je savais pas comment te le dire, mais on pourra pas t'accompagner au bal costumé. Vous me l'aviez promis. Je sais, Robin, je sais, mais là, on a un empêchement majeur. Un jour, je t'expliquerai, quand tu seras un peu plus vieux. Pourquoi vous pouvez pas? Mais disons que... on a des problèmes. Des problèmes de couple. Ah. Bon, mais maintenant, j'aimerais ça être seul un peu. Voir un peu de repos. Des problèmes de couple. Il a l'air découragé, lui. Peut-être qu'ils veulent se séparer. Eux aussi. Oh, yeah, t'es venu m'aider! As-tu retrouvé Lola? Non, c'est pas parce que j'ai pas essayé, hein. Je suis allée voir au club, je suis retournée voir au parc. Je suis même allée chez elle en passant par le hangar, je l'ai vue nulle part. Et toi, est-ce que tu l'as vue? Non. As-tu fini de souffler tes ballons? Ben Robin, je te parle. Oh, j'ai plus envie de souffler de ballons. Mais Robin, il faut, tu l'as promis. Je vais même plus au bal costumé. Hein? Mes parents, là, ils peuvent plus venir. Il paraît qu'ils ont des problèmes de couple à régler. Sais-tu ce que c'est? Ah. Peut-être qu'ils sont en train de se séparer. Ils vont se séparer? Comme les parents de Lolotte? Pourquoi ils vont se séparer? Est-ce qu'ils se sont chicanés beaucoup? Je sais pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais je sais pas, ils me disent rien à moi. Il fait donc bien sombre ici. C'était pas grand chez toi, hein, ma Lolotte? Où est-ce qu'on est, donc? Ouch! Je peux même pas bouger. Vous voyez, vous vous êtes encore trompée. Es-tu certaine qu'on n'est pas dans ta maison, là, Lolotte? Non. Lolotte? Oh non, on est au club des clubs. Mais qu'est-ce que tu fais en dessous de la table? Je vais tout expliquer, Catou. C'est parce que je suis avec une fille. Hein? Une fille? Oui, une vraie fille. Elle vit dans un château. Elle me l'a fait visiter. Mais on était supposé d'arriver chez mes parents. Sa baguette magique est brisée. C'est pour ça qu'on a atterri ici. Excusez-moi, mademoiselle, mais je ne suis rien du tout. Un simple petit problème technique.
Es-tu certaine que ça va bien, Lolotte? Oui. Voyons, les filles, ça n'existe pas. Ah, ben, je te demande bien pardon. J'existe, moi. Je suis la fée Raphaël. Oui, c'est ah, bon. Mes parents, ils veulent se séparer, puis elle a promis de les réconcilier. Ah, c'est pas vrai. Tes parents se séparent. Oui. Je savais pas. Mais il n'y a personne qui va se séparer. Moi, je vais empêcher ça. Allez, viens, Lolotte. Mais ça se fait pas comme ça, Lolotte. Mais c'est parce que t'as pas essayé la technique des fées, ma chère amie. Mais c'est de la magie, ça. Ça compte pas. Mais certainement que ça compte. Et je vais te le prouver, hein. Tu vas voir. Les parents de Lolotte vont s'aimer à nouveau. Ils vont se remarier et ils vont être heureux jusqu'à la fin du monde. Oh, comme dans tous les contes de fées où j'ai vécu. Mais voyons, on n'est pas dans un conte de fées ici. Hein? Peut-être que Cato a raison, hein. Non, pas du tout. Est-ce que tu penses que mon père va revenir si je promets de plus faire de bruit le matin? Ce serait mieux que de la magie, hein? Mais non, Lolotte, même si t'es gentille, ça les empêchera pas de se séparer. Oh, je le sais. Je vais faire des biscuits pour mon père. Il aime ça beaucoup, beaucoup, les biscuits. Puis je ferai pas de bruit. Puis je promets d'être super gentille, là, pour jusqu'à la fin de mes jours. Mais, tes parents se séparent pas à cause de toi, Lolotte. C'est leurs histoires de grands, t'as rien à voir là-dedans. C'est pas de ta faute. Mais il y a personne qui va se séparer. Moi, je vais leur parler à tes parents. Je vais leur dire ma façon de penser. Tu vas voir. Oh non, vous allez pas utiliser votre baguette magique. Mais, tout va bien aller. Oh, je suis encore là, moi. Mais voyons, je vais aller avec eux. Oh, mais c'est pas bien qu'ils te foutent. Des problèmes. Où es-tu, Cato? Ici. Je suis coincée dans une poubelle. Cato! Lolotte! Quelle histoire, mes amis! Cette fée est bien gaffeuse. Lolotte veut tellement réunir ses parents qu'elle a fait confiance à la fée. Mais celle-ci est toute mêlée dans ses pouvoirs magiques. Lolotte est de plus en plus frustrée. Comment arrivera-t-elle à se sortir de cette impasse? De son côté, Robin est inquiet. Ses parents sont bizarres. Vont-ils se séparer eux aussi? Va-t-il oser leur poser la question? C'est ce que nous verrons dans la suite de la palpitante aventure de Robin et Stella. Lolotte est malheureuse. Ses parents se séparent. Elle rencontre une drôle de fée qui lui promet de réconcilier ses parents. Mais la fée casse sa baguette magique. Rien ne va plus. Elle se trompe de parents et transforme Léon, puis Violette, en canard. Pauvre Robin, que lui arrivera-t-il? Désolée, la fée essaie de nouveau son pouvoir. La fée n'arrête pas de faire des erreurs. Lolotte et Cato sont maintenant invisibles. Voyons vite la suite de la palpitante aventure de Robin et Stella. Qu'est-ce que j'ai fait? Où est-ce que je les ai expédiés comme ça? Revenez, toile d'aurore! Pitonnerie, revenez! Il y a quelque chose qui va pas, hein? J'ai utilisé presque toutes les formules magiques de mon répertoire. Il m'en reste plus qu'une! Qu'est-ce que c'était là? Pomme d'épine. Non, c'est pas ça. Pomme d'épine! J'ai utilisé celle-là. Mandarine, maringouin, crapoutis camillon, minou moins 20. Minou moins 20? Tiens, je vais utiliser celle-là. Mandarine, maringouin, crapoutis camillon, minou moins 20. Que Lolotte et son ami reviennent ici sur le champ et sans contretemps. Je te vois! Oh, enfin, on est revenu au club! Quoi? Lolotte! Quoi? As-tu vu tes oreilles? Oh non, mais tu devrais voir les tiennes. Oh! Vous, là! Je veux plus jamais que vous utilisiez votre baguette magique, compris? J'ai plus confiance!
Je t'en supplie, là, s'il te plaît, Lolotte, c'est un petit incident de rien du tout, ça. Oh, vous dites qu'on va chez mes parents et puis on devient invisible. Après, je chante « Fée, fée, jolie fée » et vous réapparaissez pas. Mais avez-vous vu nos oreilles? Avez-vous vu ce que vous avez fait? Oh, j'espère qu'on restera pas comme ça toute notre vie. Oh non. C'est pas si mal que ça, vos oreilles, hein? Vous êtes jolie quand même. Vous avez les mêmes belles grandes oreilles que le roi Marcel XIV. Puis lui, il les aimait beaucoup, vous savez, hein? On veut nos oreilles, bon! Puis moi, je voulais juste que mes parents reviennent ensemble. Violette, ma belle Violette. Un canard. Et que c'est triste. T'étais si jolie quand je t'ai épousée. T'étais si gracieuse dans ta belle robe. Puis tu sentais si bon. Fais, Léon. Mais cherche une solution, ma chérie. Il doit bien y avoir quelqu'un pour nous aider à régler notre problème. Qui? Ben, un médecin, ce serait bien. Non. Dans le fond, il me faudrait peut-être un psychologue. Oui, j'ai peut-être des visions. Peut-être que je te vois en canard juste dans ma tête. Oui, oui, un psychologue. Non, non, Léon, non. Moi, je me sens pas très bien, là. Appelle un vétérinaire. Oui. Ben, pour commencer, là, on va finir de souffler tes ballons. Hein? Ça donne à rien. Mais non, au contraire, ça va nous encourager. Puis tu sais, tes parents, là, sont peut-être seulement disputés. Ça me tente même plus d'aller au bal costumé, moi. Ben, tu peux demander à ton père ou à ta mère de venir avec toi. Hein? Avec qui t'aimerais mieux y aller? Ton père? Ta mère? Et je veux pas choisir, compris? Où est-ce qu'on est maintenant, là? Oh, on est dans son château. Ah, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Vous vous êtes encore trompée. Oh, je veux mes oreilles. Mais moi non plus, je voulais pas venir ici, mes petites princesses. Oh. C'est encore ma baguette qui a fourché, là. Oh, je veux mes oreilles, puis je veux m'en aller au club. Hein, je vais me fâcher si ça continue. Et moi aussi, je commence à être tannée. Ah non, ça, je vais vous corriger ça tout de suite. La formule pour ça, je la connais très bien. Laissez-moi me concentrer. Laissez-moi une chance, d'accord? Encore une fois, laissez-moi. C'est pourtant simple, je l'ai réussi sur le roi Marcel XIV. Voilà, c'est fait! Je suis encore capable, là. J'ai une fée du tonnerre. Je suis extraordinaire, les petites princesses. Je vous en passe un papier. Il y a du métier, ça se voit. Bon, maintenant, je vais revenir chez nous. Ah, j'oubliais. Oh, mais c'est un détail, ça, hein? Je nous déplace toutes les trois, puis je m'occupe de tes parents. Non, laissez faire mes parents. Je vais retourner chez moi toute seule. Je suis tannée de me faire promettre des choses qui n'arrivent pas. Mais voyons, Lolotte, laisse-moi la chance! Non! Je vous en ai laissé plein de chances. Vous ne les tenez pas, vos promesses. Puis moi, là, je suis fatiguée des gens qui ne tiennent pas leurs promesses. Vous arrêtez pas de me dire que vous allez réconcilier mes parents. Puis à chaque fois, vous faites des erreurs. Vous n'êtes pas capable de m'aider. Je vous crois plus. Mais voyons, mais je l'en ai! Non! Je suis très fâchée, compris? J'en veux plus de promesses! Mes parents aussi m'en ont fait plein de promesses. Ils n'arrêtaient jamais de chicaner. Ils disaient qu'ils ne pourraient jamais se séparer, mais ils l'ont fait quand même. J'en veux plus de promesses, ils n'ont pas le droit. Je le sais, c'était des mensonges. Et eux aussi n'ont pas tenu leurs promesses. Ils n'avaient pas le droit. Pour de la peine. Ils n'ont pas le droit de me faire de la peine. Moi, je veux pas que mon père aille vivre dans une autre maison. Je suis fâchée contre lui. Je suis fâchée contre ma mère aussi. Elle avait juste à lui dire de rester. Ils sont pas faits. Je les aime plus. Ils sont pas faits. Je ne vais jamais leur parler. Je vais avoir la paix. Je serai très bien sans mon papa et même sans ma maman. Ils savent juste me faire de la peine. C'est tout ce qu'ils savent faire. Et moi, je sais même pas ce qui va m'arriver. Je suis tannée, bon. Mais ma femme n'est plus du tout. Qui parle, ton père? Chut! Mais comprenez-moi, je pourrais pas vivre avec elle jusqu'à la fin de mes jours si elle reste dans cet état-là. Je vais être obligé de changer de vie. Elle sera pas heureuse ici encore bien longtemps. On dirait que ta mère veut s'en aller. Chut! Vous croyez vraiment qu'elle serait plus heureuse sur une ferme? C'est bien ce que je craignais. Vas-tu déménager? Chut! Oui, j'ai un petit garçon. Il va falloir que je m'en occupe. Je savais pas comment lui expliquer, je sais vraiment pas.
dit, hein? Il se sépare. Il voulait pas me le dire, mais c'est ça qui se passe, hein? Qu'est-ce que tu vas faire? La pauvre Lolotte, je t'ai jamais vue comme ça. Viens, viens, ma princesse, on va jaser. C'est moi qui ai déplacé tous les portraits. Ah, c'est rien, ça. Ah, je m'en étais même pas rendu compte. Assieds-toi. Je pensais jamais qu'il pouvait y avoir autant de colère dans le cœur d'une petite fille. Ouf, t'en avais des choses à dire, toi, hein? Je me suis fâchée beaucoup. Je me suis trop fâchée, hein? Non! Ben, tu nous as juste dit ce que t'avais sur le cœur, puis ça, c'est très bien. Ah, et plus que ça, t'as réussi à chasser la poussière sur les meubles du vieux roi, et ça, c'est parfait! Est-ce que j'ai brisé quelque chose? Oh, non! J'espère que personne va savoir que je me suis fâchée comme ça. Oh, mais on peut garder ça secret, si tu veux. Moi, quand mes parents se sont séparés, j'étais fâchée, moi aussi. Autant que toi. Oh non, mes parents. J'espère qu'ils sauront jamais que je leur ai crié des bêtises. Ben voyons donc, tes parents sont à 1000 lieues d'ici. Mais t'as le droit d'être fâchée. Ils se séparent, puis ils t'en ont même pas parlé avant. Non, mais s'ils savaient que je suis fâchée comme ça, ils m'aimeraient plus du tout. Voyons. Tu t'es fâchée contre moi tout à l'heure, puis regarde, je suis encore là. Je te trouve pas plus vilaine pour ça. Mais je me suis fâchée très, très fort. Oui, mais t'es fâchée, mais je suis certaine que tu les aimes encore un peu. Non. Tu les aimes plus? Oui, je les aime. Je les aime tous les deux. Je veux pas qu'ils vivent dans deux maisons. Je veux vivre avec mon frère et puis ma sœur aussi. Peut-être qu'on a mal compris. Peut-être que tu t'es trompé, hein? T'es même pas certain si tes parents se séparent. Ben oui, c'est ça, je le sais. Pourquoi ils te l'ont pas dit, alors? Parce qu'ils savent que je vais pleurer. Est-ce que tu vas rester triste comme ça pour toujours? Je sais pas. Mais quand ça va faire longtemps là, qu'ils vont être séparés, est-ce que tu vas arrêter d'être triste? Parce que moi, là, hein, j'aimerais ça qu'on joue encore des fois ensemble. Ouais. De toute façon, j'aurais plus le goût de jouer jamais, moi. Oh, oui, tu vas jouer. Non. Oui, tu vas jouer encore avec moi. Non, tu le sais pas. Oui, je le sais. Je le sais parce que... moi, ma mère est morte. Hein? Puis... Tu vois, je pleure pas tout le temps, là. Ouais. Je joue encore. Ben moi, j'ai trop de peine. Pourquoi on va pas voir ton père? Pourquoi faire? Mais peut-être que tu t'es trompée, hein? Moi, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui va arriver. Tout à coup, tu déménages. Tu penses? Il faut absolument que tu demandes à ton père s'il se sépare. Non, 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 non. Ah non, 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 j'ai trop peur. Non, non, ben, il faut que tu lui poses la question. Hein? Moi, j'aime pas ça pour savoir pour vrai. Il faut que tu lui poses la question. Si tu le fais pas, moi, je vais le faire. Non, 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 attends. Je vais essayer. Quand? Tout de suite, là. Oui. Hey, papa, hein? Papa, j'ai une question à te poser. Léon, pourquoi tu m'as pas dit que Robin était dans la maison? Ma mère! Laissez faire votre baguette magique, ça marchera pas. Je vais vous prouver que j'ai raison. C'est difficile d'empêcher deux parents de se séparer. C'est à eux de décider. Écoutez, j'ai un plan! Je vous crois pas. Lolotte me croit, elle. La Lolotte! Vous arrêtez pas de faire des erreurs. Oh, c'est ma baguette qui t'inquiète. Je vais la réparer, hein? Comment? Je vais trouver quelque chose. Moi, j'aimerais mieux m'en aller chez nous, puis je pense que tu devrais t'en venir avec moi, Lolotte. C'est pas la fée qui peut réconcilier tes parents. Je ne sais pas où est-ce que tu as appris à penser, ma petite langue de vipère, mais si j'étais à ta place, je ne parlerais pas comme ça. Surtout pas devant Lolotte. Mais tu lui laisses aucun espoir. Mais j'ai jamais dit qu'il n'y avait pas d'espoir. Tu penses que c'est possible que mes parents reviennent ensemble? Non. Je veux dire, ça me surprendrait. Ce que je veux dire, c'est que la plupart du temps, quand les parents annoncent qu'ils se séparent, c'est parce que c'est pour de bon.
Ils reviennent pas sur leur décision. Et c'est ça que tu appelles redonner de l'espoir? Bon, Lolotte qui pleure maintenant, c'est entièrement de ta faute. Oh, je suis pas méchante, j'essaie juste de dire la vérité vraie à Lolotte. Moi non plus, je voulais pas que mes parents se séparent. Personne veut que ça arrive, c'est sûr, ça. Mais ils se sont séparés quand même. Même si je leur ai dit que je voulais pas. Même si je leur ai promis d'être la personne la plus gentille au monde. Arrête. Arrête de parler, là. T'as envoyé tous mes circuits. C'est trop triste, la vraie vie. Ça va mal se terminer, ça, je le sens. Mais non, laissez-moi finir. J'ai eu beaucoup de peine au début, c'est vrai. Mais après un bout de temps, je suis redevenue heureuse. Puis je les ai pas perdus, mes parents. Ils existent tous les deux. Ils ont deux maisons. Je me suis habituée même que j'aime ça. Tu t'es habituée? Mm-hmm. Vraiment? Oui, mais au début, comment t'as fait? Bien, d'abord, je me suis enfermée dans ma chambre. Je voulais plus voir personne. Puis j'ai téléphoné à mon père. Oh non. Moi, je veux plus lui parler jamais à mon père. Mais ça se peut pas. Je suis certaine que t'as plein de questions à lui poser. Tu lui parleras plus jamais de ta vie? Non. T'es certaine qu'il n'y a pas des choses que tu veux lui demander? Eh oui, c'est vrai. Je sais pas, moi, ce qui va arriver. Je sais pas ce qui va nous arriver. C'est vrai, il faut que je lui demande. Mais je n'ai même pas le numéro de téléphone. Mais demande-la à ta mère, elle doit bien savoir. Oh oui, c'est vrai. Viens-t'en, je vais aller lui demander. Il vous appelle chez toi. Oh non! Êtes-vous vraiment obligée d'utiliser votre baguette magique? Ben... Oh! Croisons-nous les doigts. Hey, ma mère est un canard. Mais, Robin, pas de problème, toi, hein? Vite, il faut absolument rejoindre ton oncle. Oui, oui, oui. C'est une urgence, urgence. C'est juste lui qui peut nous aider, hein? Allez, mon oncle, bon. Ça répond pas! Hey. On n'est pas chez nous. On est dans le laborium. Mais Lolotte, on te cherchait partout. Et où? Mais qui sont-ils, ces deux-là, donc? D'où vous venez? Puis elle? C'est qui, elle? Oui. C'est la fée Raphaël. On était dans son château. Il nous est arrivé des choses tellement bizarres toute la journée. Ah, mais nous aussi. Tu sais pourquoi? Non. Ma mère est un canard. C'est vrai, hein? C'est vrai, je vous le jure. Ta mère? Oui. C'est pas ton père? Hein? Je vais tout expliquer, Robin. Mais avant, il faut que je parle à mon père. Est-ce que je peux pas y aller avec toi, ma petite princesse? Non, non, laissez faire. Je suis capable d'y aller toute seule. Hé, hey, Lolotte, tu peux pas me laisser tomber comme ça, hein? Non. Qu'est-ce que je vais faire avec mes parents, moi? Qu'est-ce qui va arriver? Écoute, mon jeune ami, je vais tout expliquer. Oui? Oui. Ce qui arrive, là, en fait, tout ça, c'est de ma faute. Hein? Ouais? Vous avez transformé la mère de Robin en canard? Mais je vais tout réparer! Es-tu bien, là, Violette? Es-tu bien, mon petit trésor? Oui, Léon. Quoi? Quoi, Violette? M'aimes-tu encore? Oui. C'est plus pareil, hein? Mais je dois t'avouer que c'est une dure épreuve pour moi aussi. Mais tu comprends, du jour au lendemain, être marié à un canard, c'est pas drôle du tout. Léon? Qu'est-ce qu'il y a, mon petit coin-coin? Est-ce qu'on pourrait faire comme avant? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Lis-moi les nouvelles du sport. Mais je pensais que tu détestais ça. Pas tant que ça. J'étais heureuse avec toi, Léon. Oh. Léon! Violette! Oh, Violette, t'es revenue en chair et en os! Oh. Léon, promets-moi qu'on se quittera plus jamais, jamais, jamais! Promis! Oh! Ça a marché! Puis t'inquiète pas, mon petit, hein? D'ici quelques minutes, tes parents se souviendront même pas d'avoir vécu toute cette expérience. Un vieux truc. Ah oui? Oui. J'ai dit à maman que je voulais te parler parce que... Quand est-ce que je vais te voir? Ben, on va
va se voir bientôt. Oui, mais est-ce qu'on va être obligé de tous déménager? Qui va rester dans la maison? Écoute, ma Lolotte, c'est moi qui est parti. C'est pas vous autres qui déménagez. C'est sûr, ça? Ben oui, c'est sûr. On a bien assez de troupes comme ça. Déménager. J'ai trop d'amis ici. Puis, à part ça, as-tu d'autres choses à me dire? Oui, mais... Ben... Ben, tu me poses un peu trop de questions. Tout ça aujourd'hui, j'en remets. Hein? Oui, mais... Moi... Savais-tu que c'est ce soir le bal costumé au club? Tu veux pas y aller avec ta mère? Elle peut pas. Elle va à la campagne chercher Barracuda avec Puce. Ouais. Je peux rien te promettre, là. Tu me demandes ça à la dernière minute. J'avais des plans, moi. Je vais voir. Je vais essayer de m'organiser. J'aimerais tellement ça. Donnes-tu un beau bec, là? Oui. Bye. Bye. Ouais, Léon, je le sais. Mais tu m'as reconnu? Même avec mon bat-masque? Pauvre Léon, tu serais caché derrière une borne fontaine que je te reconnaîtrais quand même. Ah bon? Léon, tu vois mon costume? Il est parfait pour la grande valse, tu trouves pas? Je t'avoue que je l'ai choisi un peu pour ça. J'ai toujours aimé les balles, moi, depuis que je suis haute comme ça. Oh non, Violette, il me semble qu'on s'est entendu là-dessus. Moi et la grande valse, on fait pas un mariage heureux. Je dirais même qu'on s'entend pas du tout ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Léon? Qu'on dansera pas ce soir? Dans un sens, c'est ce que j'essaie poliment de te faire comprendre, Violette. C'est un bal costumé, Léon. Est-ce qu'il va falloir que je te fasse un dessin? Une pancarte? Une réclame publicitaire, peut-être? On s'en va dans un bal costumé. Un bal! Mais c'est peut-être un bal, mais moi, je suis Batman. Je suis déguisé pour me promener en voiture sport, pas pour danser avec une duchesse de je sais pas quel siècle. Oh, oh, j'ai jamais vu quelqu'un. Vu que ça quelqu'un d'où têtu. Ben, je suis peut-être têtu, mais toi, t'es têtu multiplié par deux. Hé, hey, arrêtez de vous chicaner. Hein? Hein? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Je vous défends de vous chicaner. J'aime pas ça. Ça me fait peur. Ça te fait peur? Mais pourquoi, mon pire? Parce que... Allez-vous vous séparer? Oh. Voyons, Robin, t'exagères! S'il fallait que je demande le divorce chaque fois que ton père veut faire à sa tête, ça ferait longtemps que je serais partie! T'es drôle, toi! Allez, dépêche-toi, va te préparer! Oui! Bon, Violette, j'ai deux mots à dire. Moi aussi, Léon Brizard! C'est très, très bien réussi. Oh! As-tu vu les ballons? Et puis moi, j'ai apporté le disque pour la grande valse. Tiens, ma petite. Robin? Oui? Est-ce que Conrad est supposé venir? Oui, il est déguisé en boîte de céréales, vous l'avez pas vu? Ah, oh, bon, dans, c'est vrai, je viens d'en voir passer une. Oui, t'as les téléphones dorés, ça va être un peu en retard. Ah. Bonjour, Madame la Duchesse. Bonjour, Catou. Oh, c'est vrai, vous êtes une vraie petite fée, vous, pour les enfants. Et puis moi, je suis Batman, le père de Robin. La comprenez-vous? Je vous ai reconnu, Monsieur Brizard. Salut, Lola! Qu'est-ce que tu fais? J'attends quelqu'un. Oui. Elle est belle, ta robe, hein? Merci. Je voulais être belle. Hey, as-tu vu? Ta fille est là. Qui est-ce qui l'a invitée? Je pense pas moi. Hey, c'est là. Hein? Il est drôle, ton costume. Il est drôle, hein? Oh, bonjour, madame. Bonjour.
Oh, je vous félicite pour votre déguisement. C'est très, très réussi, hein? Mais c'est pas un déguisement du tout, hein? Je m'habille comme ça tous les jours, moi. Elle est vraiment bonne. Mais vous êtes la mère de qui, vous? Je suis pas la mère de personne, monsieur. Je suis la fée Raphaël. Ah, oui, ben c'est vrai. Je me demande même pourquoi je vous pose la question. Sympathique, hein? Je sais pas, mais je pense que je l'ai déjà vue quelque part, elle. Moi aussi. Mais je me rappelle pas du tout à quelle occasion, par exemple. Es-tu certaine que je peux rien faire pour la petite Lolotte? Non. Perdez pas espoir. Elle restera pas malheureuse toute sa vie, je vous le promets. Je n'ai plus vraiment grand-chose. Je pense qu'il serait temps que je prenne ma retraite. Mais tu sais, je peux encore faire de la magie. Il me reste quelques formules magiques dans le fond de la caboche, là. En tout cas, je vous demande juste une petite faveur. Oui. Pas de magie ce soir, hein, s'il vous plaît. Mais pourquoi pas? Une citrouille. Vraiment eu le temps de me déguiser, mais je suis là. Je suis tellement contente. T'es bien belle, ma Lolotte. Quel plaisir de revoir le sourire de Lolotte. Heureusement, elle a réussi à exprimer sa colère et sa tristesse. Grâce à sa discussion avec Catou, elle a compris que même la fée n'avait pas le pouvoir de réconcilier ses parents. Lolotte a téléphoné à son père. Elle est maintenant certaine que malgré leur séparation, ses parents continuent à l'aimer. Robin aussi est fier de lui. Il a osé interroger ses parents et il a obtenu une réponse qui l'a rassuré. Ne manquez surtout pas de nous revenir pour une nouvelle et palpitante aventure de Robin et Stella. We'll be right back.